Salut. Ça va? Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je dois trouver le métier qui me correspond. Tu n'es pas à l'aise? Non, pas trop. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment ça se passe. Je t'attends là. Ok. Alors, pour trouver ton orientation au collège du Bugue, tu as une heure de vie de classe par semaine, qui est menée par ton professeur principal, durant laquelle les élèves apprennent, dans un premier temps, à mieux se connaître, à s'auto-évaluer, voir ce qui va pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, où est-ce qu'on est bon dans telle et telle matière, les matières où on est mauvais, à mener à son projet personnel si on sait quel métier on veut faire plus tard. Sinon, eh bien, il y a des dispositifs qui sont mis en place, la découverte des métiers, à travers, par exemple, le site de l'ONICEP, l'entretien avec la conseillère d'orientation, très important, les mini-stages en entreprise que vous pouvez effectuer pendant une semaine, et la rencontre avec des professionnels. Alors, comment ça s'est passé? Ouais, plutôt bien, j'ai mis bien en tête. C'est quoi? Travaux publics. C'est trop vague, faut que tu viennes avec moi aussi. D'accord. Allez. Comment utilise-t-on le logiciel ONICEP? Alors, le logiciel ONICEP, donc on le trouve pour le trouver, on va donc sur Internet, donc on avec un moteur de recherche. Donc vous très souvent, donc vous utilisez Google. Moi là, j'ai décidé donc de vous montrer qu'il y en avait d'autres. Donc par exemple XQuick qui laisse donc moins de traces de nous donc sur le réseau. Et à ce moment-là, donc on tape ONICEP hein, si on ne connaît pas l'adresse par cœur. Voilà. On va nous offrir une liste de résultats. Donc je vais à Accueil ONICEP et je tombe. Donc nous arrivons sur le site donc de l'ONICEP.fr. Alors à ce moment-là, on me propose recherche thématique, un métier, une formation, un établissement, un lieu de formation. Et là, j'ai aussi un onglet métier, des métiers par secteur. Est-ce que vous avez une idée du secteur dans lequel vous voudriez chercher un métier? Oui, dans les travaux publics. Celui des travaux publics? Oui. Alors, donc pour le coup, cet onglet va bien, des métiers par secteur. J'y vais. Voilà. Et là, on me propose tout un champ de métiers, dont, si je regarde, armée sécurité, audiovisuel spectacle, automobile, BTP, donc bâtiment et travaux publics, architecture. Donc, je vais dessus. Vous avez là une fiche secteur qui vous décrit un peu le secteur du BTP, hein, comment on recrute, quelles sont les qualifications attendues. Souvent une petite vidéo, hein, à partir de quel diplôme on peut y travailler. Donc là, ils vous disent du CAP au bac plus 5, hein, donc c'est un champ très large. Et après, on vous propose donc 19 métiers, là par exemple, hein, ici dans ce cas, donc 19 métiers donc, du bâtiment, des travaux publics, de l'architecture et du paysage. Alors après, est-ce qu'il y aurait, est-ce que vous aviez une idée de métier un peu plus précise? Non. D'accord. Alors, on imagine que par exemple, ça pourrait être dessinateur projeteur, par exemple. Donc, si c'est dessinateur projeteur qui vous intéressait, hein, on est dans l'hypothèse, à ce moment-là, vous allez sur la fiche métier. Voilà, et vous avez, on vous dit, le métier, où l'exercer, la carrière et le salaire, les accès au métier, des exemples de formation et en savoir plus. Voilà. Et là, très souvent, vous avez aussi une petite vidéo, bon, qui là n'est pas active, hein, pour vous montrer aussi ce métier très précis. Voilà, donc c'est une façon d'utiliser ce site ONICEP. Hein. On peut aussi l'utiliser. Hein. On avait vu qu'il y avait donc un onglet métier, mais on peut l'utiliser. On a aussi un onglet emploi, on a un onglet après le bac. Hein, donc ça dépend aussi un peu donc, de la façon dont on veut l'utiliser. Mais il contient donc toutes les ressources fiables sur l'orientation. Voilà. Donc, je vous rappelle donc que l'ONICEP est aussi donc intégré hein, à EasyDoc, hein, donc qui est donc le logiciel donc qui permet d'avoir les ressources hein, donc du CDI hein, en ligne. Donc, on peut aussi le retrouver comme ça avec d'autres sites sur l'orientation. Alors, on peut à ce moment-là le montrer.
Non, pas vous. Pas vous. Allez. Un collège du Buc, on va sur le site du collège du Buc. Donc là, on a EasyDoc, le CDI en ligne. Et donc là, vous avez s'informer sur l'orientation. Voilà. Et si vous allez sur s'informer sur l'orientation, sur le site internet, vous retrouvez effectivement là l'ONICEP. Voilà, avec d'autres. Donc c'est aussi une façon d'y accéder. Hein. Voilà. Après, il y a bien sûr le kiosque ONICEP, hein, où vous avez là, cette fois-ci, donc des ouvrages, hein, notamment la collection Parcours, hein, qui vous présente les métiers du hein, différents branches de métiers. Donc on peut aller voir éventuellement hein, au niveau du kiosque, voir si on a quelque chose qui correspond donc, hein, au métier du BTP. Ça vous dit? Oui. Allons-y.